T'inquiète, je t'ai prise avec moi. Allez, viens. Descends, je te rejoins. Je veux t'envoyer des trucs, mais regarde lui. Non, ah, non, si. J'aime pas ce bonnet. Si, allez. Allez. C'est bon ? C'est bon, j'ai tout. Allez. On y va. Je vous appelle dès que je suis arrivé, promis. Bon bah écoute, moi je vais pas plus loin. Comment ça? Ah non, je prends pas de risque. Vous pouvez pas m'accompagner jusqu'à la ligne blanche? Non, certainement pas. D'accord. Bah, merci. Bah, de rien. Bonne fin de journée. Merci, bon courage. Papier, je vous prie. Autorisation de séjour ? Attendez. Il va falloir me suivre, monsieur. Il y a un problème, monsieur ? Veuillez me suivre. Non. Guinégan, Ewen. Date de naissance ? 4 février 1999. Où ? Ploermel, à côté de Carnac. Campagne ? Oui. Vous avez toujours vécu là-bas ? Jusqu'à maintenant, oui. Si vous avez toujours vécu là-bas, pourquoi partir ? Je me suis inscrit à l'université. Et il n'y a pas d'université là-bas ? Si, mais il n'y avait rien pour moi, alors je suis venu ici. Et vous pensez mieux d'y arriver ici ? Ça sera toujours mieux que là-bas, en tout cas. Mmh. Voilà. Ah, je vois ici que vous n'êtes pas en règle. Vous n'avez pas fait signer votre certificat de scolarité. Bon, écoutez, c'est la même chose pour tout le monde. Vous êtes censé être au courant, hein. Faites le tamponnet auprès de votre fac. Où ça? Bon, écoutez, moi, j'ai deux types à interroger aujourd'hui. Ramenez-moi ce tampon avant la fin de la semaine si vous voulez pas avoir d'ennui.
c'est bon. Bonjour. Bonsoir. Et c'est fermé, hein. Les horaires sont affichés sur la porte. Ah bon? Mais j'ai juste un papier à vous faire tamponner. Je dois le rendre avant la fin de la semaine et demain vous êtes fermé. Qui vous a dit ça? L'officier au poste, quand je me suis fait arrêter à la frontière. Il m'a dit qu'il me manquait un tampon et que j'étais en situation irrégulière. Montrez-moi votre papier. Vous êtes sûr que vous avez payé tous vos frais scolarités? Oui, oui, je crois. Attendez une seconde. C'est quoi votre nom déjà? Guénégan, eh oui. Et vous appelez ça comment? G-U-E-2-N. E accent aigu. G-U-A-N. Guénégan, je vous ai trouvé. Ouais, en effet, vous avez bien payé tous vos frais scolarités. Ah bah ça, c'est Joël qui a dû encore s'occuper de votre dossier. Joël, t'as encore oublié de tamponner un dossier! Quoi? Et voilà, tout est en règle. Pas de quoi se retourner les sangs. Merci. Ah oui, au fait. Vous savez où il se trouve l'amphithéâtre Le Corbusier? Vous voulez dire l'amphi E1? Bâtiment E, premier étage. Au revoir. Super, merci. Bonne fin de journée. C'est là où les profs mettent des documents. Et t'es nouveau à la fac? Oui, je viens d'arriver. D'accord. Oui, non mais ça se voit. T'es de la campagne? Oui, je suis de la campagne. Je viens de Carnac, c'est un petit bled en Bretagne, mais c'est pas mal. Et t'as pas pris ton CRS? Ça chante la pluie ici. Si tu veux, je peux te faire visiter la fac. Ouais, carrément. Et tu t'appelles comment? Ewen Guénégan. Et toi? Paul. Enchanté. Dis-moi, j'ai envie de manger un petit truc, tu sais, tu peux trouver une cafétéria? Ouais, bien sûr, bah par là, y'a... Des maths. Des maths, je te sers un truc? Ouais, je veux bien. Mets-moi ta meilleure bière, s'il te plaît. En fait, je cherche un Briac, on m'a dit que je pourrais le trouver ici. Et t'es qui? Et Ewen Guénégan. C'est moi, Briac. Qui t'a dit où me trouver? Je suis de Plouermel, à côté de Carnac. J'étais avec Annaëlle au lycée et elle m'a dit que tu pourrais m'aider. Ah, je viens d'arriver. Tu connais Annaëlle? Je suis ta copine. Disons qu'on est plus ensemble. Désolé, vieux. C'est pour ça que t'es parti. Moi qui offre. C'est gentil, aussi. Du coup, en quoi je peux t'aider? Je cherche un logement. Et pour quand? Pour être honnête, le plus rapidement possible. Bon, rejoins-moi d'ici 2 heures quand j'ai terminé mon service et puis on verra ça ensemble. Elle est compliquée la porte. Ah, elle est un petit peu lourde. Ça s'ouvre. Bon, tu verras, ça n'a pas l'air comme ça, mais le quartier est super calme et vachement sympa. C'est un peu vieux quand même. Bon, ça tient le goût. Puis ça te rappellera ta campagne. Ouais, je te cache pas, ouais, ça me fait un peu penser à la maison de ma grand-mère. Ouais. Bah, comme ça, tu seras un peu dépaysé. Donc, niveau voisin, on a un nouveau qui est arrivé il y a pas longtemps. N'hésite pas à gueuler s'il te fait chier avec sa perceuse. On a un couple aussi, passe leur tour à s'engueuler, mais là, avec eux, prends ton mal en patience. En général, ça s'arrête plus ou moins tardivement. Mais sinon, dis-moi, ça va bientôt être rénové ou pas? T'es pas d'ici, toi, hein? Tu voudrais pas que je te fasse signer un bail non plus? Comment ça? Disons que notre affaire, c'est pas tout à fait légal. Quoi? Disons que c'est pas tout à fait légal. Non mais attends, moi je veux pas dormir. J'ai déjà t'arrêté à la frontière ce matin. Et tu voudrais pas dormir dehors non plus? T'inquiète, je prête des appartements à des gens dans le besoin. La seule personne qui peut te balancer, c'est Annaëlle ou moi. T'es sûr? Mais oui, t'inquiète donc pas.
L'hiver, ça va, il fait pas trop froid quand même. Oh, tu te débrouilles, tu prends un plaid, une couverture. Hop, voilà. Attention à la marche. Du coup, t'as ta cuisine qui est ici, les toilettes là. Ça, ça se déplie, ça te fait un lit. Ici, du coup, le salon. Et le meilleur pour la fin. Pas de vis-à-vis. Du coup, je te laisse t'installer. Merci. Bienvenue chez toi. Quoi ? Un kilo de patates, s'il vous plaît. Non, mais ça marche pas comme ça ici, monsieur. Vous allez chercher les pommes de terre, vous les pesez et je vous encaisse. Ah ouais, pardon. Excusez-moi, je suis là. Bonne fin de journée. Vas-y, viens, reçois. Et les verres. Voilà. Ça a mis du temps. Et des adouas à Wendit. Merci, les gars. C'est ton anniversaire, t'as l'air tout triste. Pourquoi? C'est parce que Briac a toujours pas réparé ton robinet? Non, c'est juste que... C'est la première fois que je fais ton anniversaire sans ma famille. Une première fois et tout. Tu verras, tu t'y habitueras. Ça fait trop longtemps que je les ai pas vus. Ça va faire 3 mois et j'aurais vraiment aimé les voir aujourd'hui. Mais t'as pas eu de nouvelles depuis ? Si, j'ai écrit à ma sœur 2 fois. Mais disons que avant cette année-là, j'ai jamais été aussi longtemps loin de mon village. Et bah, je crois que je vais rentrer. T'es sérieux là, mec ? T'en as déjà marre de nous ? C'est pas la bonne solution, tu devrais y réfléchir. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre les gens ici. On me regarde beaucoup, on me regarde bizarrement. Ça fait 3 mois que je suis là, mais c'est toujours aussi compliqué, j'arrive pas à m'intégrer. Mais mec, tu t'attendais à quoi? Où est-ce que tu vas? Je pars. Tu pars ou tu rentres? Je sais pas. Je sais pas où je vais. Faut bien que je note quelque chose dans mon registre. Pourquoi être parti? Je pouvais pas rester là-bas, il n'y avait rien. T'en fais constater que tu y retournes? Ma famille me manque et ça fait trop longtemps que j'ai pas entendu le bruit de la mer. Je sais pas si ça va suffire. Il faut que tu prennes une décision. Tu vas où?